Vous allez nous parler de festival et on commence avec... Avec les rendez-vous soniques à Saint-Lô, ville chère à Jacques Perrotte, hein, notre collègue. Dans la Manche. Spécial Manche. Hein. Donc on va se promener du côté de Saint-Lô. Donc les rendez-vous soniques, gros événement qui se déroule du 6 au 10 novembre. Donc on est pile poil dedans. On est dedans. Des grosses têtes d'affiche, les Brigitte, Grand Corps Malade, Étienne Dao, Thérapie Taxi. Ah, on adore. On adore. Mais je vous le vends depuis un an déjà. Je me souviens bien de cette chanson. Alors, tous les concerts que je viens de vous citer sont relativement déjà presque tous complets. Mais il reste encore plein d'événements et plein de dates à venir avec des artistes qu'il va falloir aller venir découvrir. Ils ont fait une section artistes venus d'ailleurs, dont Balogi, dont on voit les quelques images, Imaran ou Nakan, qui viennent de la République démocratique du Congo, de l'Afrique du Sud, de l'Algérie. Donc on va découvrir des styles complètement différents. On va aller du style Touareg, en passant par un côté pop électro d'Afrique, en l'occurrence. Pop électro d'Afrique. Oui, pop électro d'Afrique, parce qu'ils mélangent des sonorités classiques folk de la world music avec de l'électro. Avec de l'électro, ok. Donc, qui va être super intéressant. Micha Blanos, qui est un grand, grand pianiste aussi, qui nous vient de Russie, de mémoire. Tess Park, alors ça, ce sera le 10 novembre, samedi 10 novembre. Donc, on sera veille de jour férié. Profitez-en pour aller voir les concerts. Ça, ce sont des concerts normands, hein, ce sont des groupes normands mis en avant qui ont déjà pas mal tourné. Vous avez reçu, là, ce groupe-là, MNNQNS. Et on aura aussi la soirée de clôture, donc samedi soir, avec un DJ qui s'appelle Guts, qui fait des mix électro, funk, soul. Si vous êtes fan de musique comme ceci, c'est un super DJ à aller voir. Il reste encore des places. Allez directement sur le site Les Rendez-vous Sonic, vous aurez les liens directement vers les billetteries. Les places vont de 16,80€ à 35€ pour les concerts, pour les têtes d'affiche. Voilà, tout ça, c'est au Normandie de Saint-Lô, qui a une programmation toute l'année. Alors, ils ont une programmation, pour l'instant, qui va que jusqu'en avril, hein, 2019. Ouais. Alors moi, je vous conseille deux dates. Il y a Gaël Faye, qui sera là le 30 novembre, au Normandie à Saint-Lô, qui nous vient du Rwanda. C'est un poète, artiste vraiment complet, très intéressant, auteur, interprète. Et puis on aura aussi Yarol, qui est un ancien de FFF, spécialiste de la guitare. Donc pour ceux qui ne connaissent pas FFF, hein, Fédération Française de Funk, le 7 décembre. Ben voilà, que de beaux rendez-vous. Oui, franchement, la classe pour la programmation de ce festival. Oui, ils ont fait une très très belle programmation. Ça va devenir la capitale musicale du monde le temps d'un week-end. Oui. Deuxième festival. Deuxième festival, celui-ci, ça s'appelle Traverse, Blues en Traverse. La Traverse, on est à Cléon. Seine-Maritime, d'accord. Pas très loin d'Elbeuf. Festival qui se déroule du 7 novembre au 2 décembre avec en tête d'affiche Dick Rivers. Ah, c'est un autre genre. Okay. Ah, c'est un tout autre genre. Ah ouais. Moi j'aime bien. Mais là j'aime ça plaît à Laurent tout de suite, c'est normal. Voilà, je savais que ça allait tilter, forcément. On a aussi Manu Dibango. On a les No One Is Innocent qui ont fait l'ouverture hier soir, le premier concert. Ouais. On a aussi Sarah McCoy. Très très belle chanteuse, ils chantent très très bien. Alors on va découvrir différents styles, hein. Sur ce festival là on va avoir du rock, du blues, du jazz, de la funk et de la world music avec Manu Dibango, Soul Makusa pour ceux qui connaissent, un sample très très connu, Mama Makusa. Ah bah oui, bien sûr. Voilà. Vous le faites bien. Je fais bien. On a reconnu tous les deux. Alors l'intérêt de ce festival en plus c'est qu'ils font aussi des événements en dehors des murs, c'est-à-dire qu'ils vont aller sur différents endroits dans la ville, proposer des concerts, public jeunesse, public adulte, des groupes normands et autres. Vous avez un pass qui commence à 36€ pour deux concerts, c'est quand même et puis on commence à grimper. Sinon, prix d'entrée pour un seul concert, tarif plein tarif 19€, tarif réduit 16€. Vous allez sur le site latraverse.org, vous aurez toutes les infos, les dates, les événements et vous pourrez réserver vos places. La musique, j'aime beaucoup. Quel groupe? Bah, je suis pas très très originale, mais j'adore Thérapie Taxi aussi. Ah, vous voyez, Laurent, je vous ai dit d'écouter Vendredi soir. Ça fait du bien. C'est le groupe des Miss. Non. Non, j'adore Jane comme ça. Aussi. Jane aussi. Ouais, ouais. Super. D'accord. J'aime beaucoup Jane. Chantez Jane. Non, je rigole. Ouais, je pourrais, mais je ne suis pas chanteur. Il est timide. Je suis timide. Il y a quelques années. Il est timide.